avant de commencer le chieu et euh, le nishmat Alors d'abord Esther Bat Joël, euh, Joël Bat Nina Fernandez. Joël, Yael Bat Nina Fernandez et pour la refois Helema de Norbert Eliaou ben Suzanne. Amen. 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 Tov, alors rêve, rêve toi alors. Il paraît il paraît qu'on est focus sur la Toda. Hein, ce soir, il faut qu'on dise merci. D'abord, merci à vous de vous être déplacés, d'être venus. Alors, on va commencer comme ça. Je vais mettre Toda. Ah, Zéchashouv, la guide Toda. Tout il d'abord une halacha pshuta qu'on connaît de la Mishnah de Pirkéav, enfin, pas de Avot, de Maserh et de Brachot, qu'on doit. Hein, tzarik Adam levarech à la Tova. Comment je mevarech? C'est-à-dire qu'il doit dire Baruch, que ça vient d'Akadosh Hu quand il y a quelque chose de bien, et il doit dire également Baruch quand il y a quelque chose de pas bien qui arrive. Donc quand on entend une bonne nouvelle, on dit Baruch Hatov et quand on entend une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut dire Toda quand il y a quelque chose de mal qui arrive C'est pas pareil de dire Baruch. C'est-à-dire de reconnaître que ça vient d'Akadosh Ba'oron et de dire Toda. Eh bien, le problème, il est là. Est-ce qu'on est capable de voir dans la difficulté le remerciement Je veux dire très simplement, d'après la halacha, celui qui est dans la difficulté, il ne peut pas avoir le remerciement. C'est-à-dire, quelqu'un qui souffre, tu ne lui dis pas bah, Écoute, dis merci à Dieu, hein, c'est pour ton bien. Non, on ne dit pas ça à quelqu'un qui souffre. Même si c'est peut-être vrai. Mais on dit pas ça à quelqu'un qui souffre. Alors, les amis, ce qu'on va essayer de faire, parce qu'on va parler de Pessah et de la Toda, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce Pessah qu'on va fêter dans deux semaines. Qu'est-ce qui se passe dans ce Pessah Parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Et on va essayer de comprendre en quoi la dimension de la Toda qu'on va demander, et qu'on va donner à Kadosh Hu dans deux semaines, parce que l'El à c'est un grand. Moment de remerciement à Kadosh Baouhou. Mais je voudrais commencer par vous poser une question. On va remercier Dieu dans deux semaines. Alma. Qu'on a après le nettoyage. Ça, c'est une bonne raison. C'est vrai. Qui nous a sortis d'Égypte Qui va nous sortir de là, d'Israël On est déjà sorti du de dernier exil. L'exil spirituel, ça n'existe pas. Qui va nous faire avancer dans la Torah Le Zerat Donc on lui dit merci, pourquoi Allez, on va essayer de faire un consensus. Dans deux semaines, le sort de... C'est quoi, le sort du Cédère non, Le sort du Cédère, tu vas dire merci à Dieu Mais pourquoi tu vas le remercier La sortie d'Egypte, béga La sortie d'Égypte On va voir si c'est vraiment pour ça qu'on va le remercier. ça Il y a un concept... Il y a un concept dans la halacha qui est que le soir du Seder, on a plusieurs mitzvot. La mitzvah principale, malheureusement, l'année dernière, on ne l'a pas fait. Peut-être que cette année, on va réussir à le faire. C'est le korban pesach. C'est la mitzvah principale de, du pesach. La fête, elle s'appelle pesach. Donc la mitzvah principale, c'est le korban pesach. La semaine dernière, on n'a pas eu le mérite de le manger. L'er dans deux semaines. Alors on n'a pas besoin du bétamigdash pour faire le korban pesach. Pourquoi on n'a pas mangé le C'est une bonne question. Parce qu'on s'est laissé dicter euh, les lois de la police israélienne, suivies par le Wakf jordanien, qui nous a interdit de monter un agneau sur le mont du Temple, l'égorger et euh, le manger le soir du C'est Essaye de te balader avec un agneau là-bas, aux alentours de Pessah, on verra s'ils vont te laisser. Mais on n'a pas besoin du bête amigdage concrètement pour faire le corban de Pessah. Non. On n'a pas besoin parce qu'à la différence des autres où on doit les faire sur le Mekom à Le korban pessar, tu peux le faire bekkola Hazara, C'est-à-dire dans tout pratiquement toutes, les, pas toutes, mais une grande partie de l'esplanade du Harabaït, on peut faire la shrita du korban pessar. Et après, tu le manges à la maison. Donc, bezratashem, pourquoi pas dans deux semaines Mais en attendant, jusqu'à l'année dernière, la mitzvah qui tenait lieu et place de mitzvah principale, puisqu'on ne faisait pas le korban pessar, c'était mitzvah tvehigad et c'est-à-dire la mitzvah de Sipur, yetsiat Mitzrayim. Et quand on parle de cette mitzvah-là, de Sipour yetsiat Mitzrayim, il y a un principe dans la halacha qui nous dit que tsarir la tril bignut ou le sayem Quand on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, il faut commencer par ce qui n'était pas bien, rappeler ce qui n'était pas bien, et terminer par le shevar, terminer par ce qui était bien. Ça, c'est donc cette phrase-là, la tril bignut ou le c'est un, un, une punchline, si vous voulez, de la halacha par rapport à Pesar. C'est pour ça que j'ai appelé le cours Matril Bignut, Sayem, Betapuach. Et pas Bechevar. Donc, qu'est-ce que la pomme vient faire là-dedans On va essayer de voir ensemble. Alors, je vous invite à rentrer directement. Pardon Betapuach, la pomme. Je vous invite à rentrer directement dans le vif du sujet. Regardez, prenez la source numéro 1. On est dans la Mishnah. La Mishnah dans Massar et on nous dit comme ça. Et fana parce que vous avant de vous lire, le soir de Pessah, quel organe joue des heures supplémentaires Chaque fête a son organe. Rosh Hashanah, on écoute les chauffards Alors, qu'est-ce qui se passe à Pessah, effectivement La bouche. La bouche. Et tout ce qui touche à la bouche, le soir de Pessah, est du domaine de la mitzvah. Est ce qu'on va rentrer dans la bouche Matzah, Maror, Korer. Est-ce qu'on va sortir de la bouche, à savoir Sipur D'accord? Mais il y a une chose qui est sur le plateau du CEDER mais qui n'est pas une mitzvah. Et c'est bizarre. Hein? L'œuf Non, l'œuf c'est une mitzvah. L'œuf c'est en souvenir du korban chagiga. C'est-à-dire le korban qu'on amène parce que c'est une fête. T'es obligé d'amener le korban parce que c'est une fête. L'os, c'est en souvenir du korban Pesach. là aussi c'est une mitzvah. La matza, la matzah. le maror, c'est le maror. Non? Alors qu'est-ce qui nous reste sur notre plateau du CEDER Bien les amis, sur le plateau du Seder, il y a un truc qui n'est pas mitzvah. Regardez ce que dit la Mishnah. « Evio lefanav, metabel bechazeret, ad sheu magia leparperet ulepat, evio lefanav matza, vechazeret, vecharoset. Af, »« Afalpi sheen charoset mitzvah, rabbi Eliezer ombar, rabbi Tzadok, omer mitzvah. »« Oba mikdash mevim lefanav gufor shel Pesach. » La Mishnah nous dit qu'on amène également sur le plateau du Seder du charoset. C'est bon, hein alors, il y a au moins autant de recettes différentes que de gens qui sont là. Il n'y a pas de problème. Mais on est tous d'accord que, un, le kha recette c'est bon. On est tous d'accord là-dessus On est tous d'accord aussi, deuxième point sur lequel on est d'accord, c'est qu'on se moque de la, de la chanson de Manishtana. Ron, Oui. Oui. On, on dit, on chante un truc dans Manishtana, mais on va faire l'inverse. Ben oui. Qu'est-ce qu'on dit dans Manishtana Manishtana ala ila azeh shebechola et nous matbilim, on fait le pain un et la lilaze quoi. Je t'ai pas aimé, non C'est vous connaissez pas mais je t'ai Non Alors c'est quoi le je t'ai pas chez matbilim Mais adbil. C'est trempé. Alors c'est quoi les deux fois où on trempe ce soir Enfin le soir du céder. Alors il y a le carpasse qu'on va tremper dans l'eau salée, c'est une fois. Et quand la fois C'est quand on trempe le marore dans le carosette. Ouais, tu parles. Toi, tu vas prendre ta cuillère, tu vas prendre le khaoset et tu vas l'étaler sur le maror. Parce qu'on est d'accord que pour tremper quelque chose, il faut que ça ait une consistance liquide. Or, nous, on fait ça pâteux. Donc, on ne trempe pas. Seuls les thémanimes ont gardé un khaoset liquide. -à Mais nous, on ne trempe pas. Donc, euh, Manishtana, Laïla Azek, euh, on dit n'importe quoi. Mais bon, alors, on est d'accord que le khaoset, c'est bon. On est d'accord qu'il n'est pas liquide. Et quelles que soient vos recettes, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans. Il y a des marquivim, il y a des, des, des éléments qui sont obligatoires. Parmi ces éléments, on a du vin. Ça, c'est pour des raisons de halakha, pour qu'ils puissent recevoir la touma lomchané. Et on a également de la pomme. Après, tu rajoutes ce que tu veux. La cannelle, pas de la cannelle, des amandes. je un Tout ça, je veux bien. Donc, on est tous d'accord que on attend le moment où on va pouvoir manger du harosé. Et on en met en général beaucoup plus que du maror. Sauf que je vous poserai juste une petite question, parce que vous avez été au GAN, et après vous avez été à l'école, et après vous avez été à l'école des grands, et après vous avez été des mamans qui racontent à leurs enfants, et des papas qui racontent à leurs enfants, et donc euh, c'est pourquoi qu'on fait du Rhaoset C'est pourquoi, pourquoi on met du sur le, sur le plateau de Cédère Ah, c'est pour se rappeler La du mortier, oui. okay, du mortier, c'est-à-dire euh, du titre, du mortier qu'on mettait, pourquoi Pour faire quoi Pour faire quoi mais pour faire quoi les murs. Et on faisait quoi, les murs de notre maison Ah, c'était les murs de l'esclavage Quand on construisait les, les villes de Pharaon, Piton, vers Ramsès. Donc juste éclairez-moi, parce que je suis un peu perdu. Donc c'est censé être en souvenir d'un truc bien ou pas bien, pas bien Pas bien Donc on est censé ça faire bon ou pas bon, pas bon Moi je sais pas, quand on m'a dit qu'il fallait se rappeler de l'amertume, on mange du maror, et le maror c'est pas censé être bon non, non, c'est pas censé être bon. Je t'invite, c'est des ashkenazim, tu vas voir quand ils vont te faire du réfort râpé, tu vas voir, tu vas, tu vas, tu vas déguster. Non, c'est pas bon. La, la, la salade, elle est censée être amère, sinon c'est pas drôle, sinon c'est pas maror. Donc ça, je comprends que le maror, tu le fais pas bon, parce que ça te rappelle quelque chose de pas bon. Alors pourquoi le kharoset, tu le fais bon On est d'accord sur la question On est d'accord que chaque année, vous mangez du kharoset, vous êtes content Il y a quelqu'un qui vous a jamais, y a un qui vous a jamais posé la question, mais en fait, euh, pourquoi c'est bon non Ben bah voilà, bah, cette année tu le poses. Ok Tu poseras la question. Pourquoi on fait ça bon Ça veut dire On va revenir à notre pourquoi on fait ça bon. Qu'on que c'est pour dire merci, sûrement sur quelque chose, parce qu'une fois qu'on a mangé le maror, on n'a pas envie de dire merci. Mais qu'on qu'il y a quelque chose de plus profond. Alors venez, on rentre dans notre sujet. La source numéro 2, c'est toujours la Mishnah, qui nous dit voilà, je vous ai amené la Mishnah qui nous parle de cette mitzvah de raconter. Prenez la dernière ligne directement. On me dit Matril Bignout Omceim Bechavar, ce que je vous ai dit. Et là, la Mishnah, on ne sait pas trop pourquoi, elle me rajoute un truc. Elle me dit vedoresh Me harami Oved Avi Ad Sheu Gomer Et Kol La Parasha. Je ne sais pas si vous avez bien la Hagada en tête, mais quand on est Matril Bignout et à un moment donné dans la dans la Hagada, on lit un texte long comme l'exil qui commence en disant Arami Oved Avi va y redmitzrayim, va y gorsham bimtemiad, va y azumisham, va y gorisham azumbara. Et c'est pour ça que les gens, ils commencent à en avoir marre du... De... C'est à ce moment-là que les gens, ils en ont marre de l'alacédère. C'est à ce moment-là que les ventres, ils commencent à gargouiller et qu'ils ont envie de manger. En plus, Arami au Ovedavie, ça parle de quoi C'est qui ce Arami? L'Avane Aucun rapport donc avec la sortie d'Égypte. Ça n'a vraiment aucun rapport. Moi, j'ai vu le film. Hein. Dans Le Prince d'Égypte, on ne nous parle pas de l'Avane. Donc a priori, rien à voir. Alors, très bien, on m'a dit la tril bignout ou le sayem bechevach. Le seul problème, c'est qu'on m'a pas dit qu'est-ce que c'était le gnout et qu'est-ce que c'était le shevar. Alors, je vous pose la question, encore une fois, en tant que personne spécialiste, parce que vous avez vu soit le prince d'Égypte en dessin animé, soit la version Cécile B2000, soit d'autres versions des Dix Commandements ou la comédie musicale. Alors, dites-moi, c'est quoi le gnout Gnout, ça veut dire « pas bien ». Les ganotes, condamner quelque chose. Donc, gnout, c'est, on commence par dire ce qui était « pas bien ». Et le chevar, c'est on dit merci à Kadosh Hu. Donc, c'est quoi qui n'était pas bien C'est C'est ça qu'on était un esclave de Pharaon. Et donc, c'est quoi le bien Il a fait La chanson à la fin. Quand on est sorti, tout va bien. Il a fait. Ça paraît logique Nachon. Ça paraît tellement logique que c'est n'est pas ce que le Talmud dit. regardez -nous ce que nous dit le Talmud. Dans la source numéro 3, on est toujours, dans cette fois, plus dans la Mishnah, mais dans la Gemara, de Maser et Et la Gemara nous dit. Alors, la deuxième avis, regardez à la fin de la ligne. Ou Amar, Avadim Ça, ça me va, c'est ce que vous avez dit. Shmuel, un des grands chachamim du Talmud, il dit, c'est quoi Gnout C'est qu'on était esclave de Pharaon, donc c'est quoi le Shevar Que maintenant on est libre. Mais sauf que c'est que le deuxième avis. Le premier avis mentionné par le Talmud, c'est l'avis de Rav. Rav et Shmuel, ils sont tout le temps en marloquette tous les deux. Et Rav, lui, il ne pense pas que c'est ça le problème de Pessar. Il dit, c'est quoi le gnout Il dit au départ, nos ancêtres étaient esclaves, ça, euh, idolâtres. C'est ça le pas bien. Et donc, c'est quoi le bien la Et maintenant, on est religieux et on est fan de Dieu. Mais attendez deux secondes. C'est quand que nos ancêtres étaient idolâtres C'est avant Avraham. Vous pouvez m'expliquer le rapport avec la sortie d'Égypte Bizarre, quand même, cette histoire. Maintenant, ça, c'est ce que nous dit le Talmud. Rav nous a dit Le Rambam, lorsqu'il va être possède à cette histoire du Talmud, il nous dit comme ça, dans la source numéro 4. Ça, on a compris. Et il nous dit comment Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam On commence par expliquer que quoi Qu'à l'époque de Terach et encore avant lui, on était idolâtre. Donc il a suivi le Rambam, il a dit quelle idée la, deuxième, la première idée, celle de Rav. D'accord et après, il dit, ah, et aussi, on dit avadim Maïno et que maintenant on est libre. Donc, il amène les deux avis. Et d'ailleurs, il respecte l'ordre du Talmud. Bon, mais c'est Hamoud tout ça. Mais moi, je ne comprends pas un truc. Pourquoi est-ce qu'on fait les, les deux Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, dans la Haggadah, on fait les deux. Mais avant de venir à la Haggadah, quand il y a une marloquette entre deux bonhommes, qu'est-ce qu'on fait en tant que rabbin Voilà, c'est quoi le boulot des rabbins quand il y a une marloquette c'est de dire ben c'est pas grave il y a une marque allez on y va on va manger. Que, il faut trancher. Comment on tranche? Quand il y a le Sanhedrin on se rassemble tout le monde on fait un vote et on prend la majorité. Et quand il n'y a pas le Sanhedrin et ben on a des principes de psikah le psika talakha. Et par rapport à Rav ou Shmuel alors vous n'êtes pas des décisionnaires de la halakha, mais sachez je vous ai amené ici dans la Gemara Masaret Bechorot on nous dit que par rapport à Rav ou Shmuel on a toujours un principe c'est que quoi C'est qu'on tranchera toujours en faveur de Rav quand il s'agit de marlokot be Isure, je vais vous dire ce que c'est dans deux secondes, et on tranchera toujours en faveur de Shmuel quand il s'agit de marlokot be Dine, De quoi on parle Dinei, c'est dinei mamonot, c'est-à-dire des litiges commerciaux entre les hommes. Quand il y a deux personnes qui se disputent, euh, euh, tu, tu me dois 100 shekels, non c'est pas vrai, je te dois pas 100 shekels, machin, s'il y a une marlokette entre Rav et Shmuel, ça sera Shmuel là, -la mais je vais te dire dans un seconde pourquoi. Maintenant, si c'est une question de issouré, c'est-à-dire ce que Dieu il a dit, c'est assour ou pas en d'autres en français, des questions de masorot, de tradition, alors là on fera toujours comme rave. Ok C'est les principes. Shavlama. Alors je vous ai amené ici pour le kiff de montrer que je cite des sources de halacha. Le Chavot bah le Chavot il nous dit pourquoi. Il dit parce que Shmuel, c'était un mec qui avait une tête incroyable. C'est-à-dire que c'était un mec avec des svarotes de malades. Il avait une, une capacité d'analyse hors du commun. Et il dit, c'est ça qu'on a besoin dans les litiges entre les êtres humains. On a besoin d'entendre ce que lui-là a, lui a à dire, de voir les témoins, d'écouter, de, et d'être de, 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 capable de trancher. Donc il faut une capacité d'analyse pour ça. Et ça, c'était the truc de schmuel Alors que Rav, il était moins bon là-dedans, mais par contre, il avait une mémoire incroyable et il se rappelait de toutes les massorotes. Donc, on tranche de son point de vue Bon, d'accord. La question de savoir c'est quoi Gnout et c'est quoi Shevar, c'est un problème de litige entre les hommes Ou c'est un problème de Masoroth. Ben c'est de masserote! De savoir qu'est-ce qui est problématique, C'est pas une question de. On s'est disputé, toi et moi. Donc, on devrait trancher comme qui Comme Rav. Voilà, c'est la fin du cours de Halakha. On devrait trancher comme Rav. Et le problème, c'est que le peuple juif, il a décidé de trancher comme Shmuel. ואווי קומוס קל קומוס להגדה, עומדי אה לחמניה דאכלו אבא תנא דארד המצרים, כל דרפין ייתן ויצרע, כל דצרית ייתן ויצרע, אשר תעבדי שנה הבאה בני חורין, אה, יום מה נשתנה בלבלה, יפכם מה נשתנה כבר? עבדים היינו. יהודי, עבדים היינו לפרעה, עבדים היינו, כל הניגודים מסמור, יהודי, עבדים היינו לפרעה במצרים, ועכשיו קיבלנו המקום לעבודתו. נאו, נבוא תקווה. On dit, ⁇ Avadim aïnul baroba Mithraïm ⁇ et maintenant il nous a libérés. Je vous ai mis, au cas où vous ne vous rappelleriez plus, euh, la Haggadah. Je vous ai mis dans la source numéro 7, la Haggadah. La Haggadah, elle dit comme ça. Donc voilà, ⁇ Avadim aïnul le On était esclaves de Pharaon, et Dieu nous a fait sortir avec sa main puissante, Abba Hachem. Cool Donc on vit comme, comme le veut comme nous Et ce n'est pas normal Alors, puisque ce n'est pas normal, eh ben, tu sais ce qu'on a fait parce que vu que le soir du céder, il n'est pas assez long comme ça, ben on t'a rajouté l'autre agada, l'autre version. Après, tu racontes les quatre enfants, et qu'est-ce que tu dis après Et tu racontes la agada de Rav. Ben les amis, sachez que ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. À l'époque du Talmud, la agada était beaucoup plus courte. Parce que beaucoup plus courte. Parce qu'il y a des familles qui faisaient comme Shmuel, et il y a des familles qui faisaient comme Rave. Et ce n'est qu'au 8e siècle qu'on a commencé à réunir les deux Hagadot. Et les deux Agadotes ont fait les deux. Et c'est ce qui fait que notre sort du Cédaire est interminable. Mais attendez, de quoi on parle De quoi on parle De quoi on est en train de parler Il y a deux Agadotes. Parce qu'il y a deux chez C'est quoi le gnout Et c'est quoi le chevar Qu'est-ce qu'on fait ce soir tous les deux sont d'accord qu'il faut commencer par de ce qui n'est pas bien et ensuite arriver sur ce qui est bien. On va comprendre pourquoi dans deux secondes. Mais on va savoir qu'est-ce qui est pas bien qu'est-ce qui est bien. Ben, il y a deux avis. Deux avis, donc, ça veut dire deux fêtes, en fait. Qu'est-ce qu'on fête Si on dit que le Gnout, c'est qu'on était esclave et que maintenant le chevar c'est qu'on est libre, quel est, le, le, on va dire, le, le narratif de la fête Elle est à tendance quoi, la fête Si c'est ça qu'on fête hein oui, non, mais. Sortie d'Égypte, pas de problème. Mais je veux dire, si voilà. le point central de la sortie d'Égypte, c'est que on était esclave et que maintenant on est libre, eh bien, ça donne à la fête un côté. optimiste. Toujours c'est optimiste, parce que ça finit bien, dans tous les cas. Mais de dire que le problème, c'est l'esclavage et le bien, c'est la liberté, c'est. Remerciement. remerciement de quoi C'est un point de vue purement nationaliste. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'on était soumis à Pharaon, on se prenait des coups de fouet, et maintenant on est libre. Dites-le autrement, c'est un point de vue purement physique. Purement physique. C'est national. Avadim Aynou, et maintenant, pas Avadimaïinou. Pas chute. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à Pessah, on dit quoi Le halel. Qu'un mois avant à Pourim, on n'a pas dit le halel. Et pourquoi on n'a pas dit le halel à Pourim Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara Parce qu'elle pose la question la Gemara, pourquoi on ne dit pas le Halel à Purim Alors ça, c'est une réponse, mais ce n'est pas celle qui m'intéresse ce soir, il y en a trois des réponses. Parce qu'on était en route de la Rède, ou alors parce qu'on lit à à la place, ou alors... Ben voilà, parce qu'à la fin du... Dans le Halel, il y a marqué Alléluia, Alléluia, Avdé, Hachem ». Alors à la fin de Purim, on est toujours les serviteurs véroche Donc que... comment tu peux dire Avdé, Hachem »?« Avdé, Donc, si tu dis que le, le, le propos de Pessar, c'est Avadim Aïnu, et maintenant on est libre... Bah, c'est un point de vue nationaliste. Si par contre tu dis que le Gnoud c'est qu'on était idolâtre et que maintenant on est religieux, bah, ça donne à toute la fête un aspect religieux. Et donc la marloquette, c'est quoi la fête de Pessard Est-ce que c'est une fête religieuse ou est-ce que c'est une fête nationale Chez moi, elle dit c'est une fête nationale. Rav, il dit... C'est une fête religieuse. D'après l'éclalépsika, on devrait dire comme rave. Mais Amisraël, il a décidé de mettre quel agada en premier, avadimayinu. Mais il n'a pas enlevé la deuxième. Au final, on a mis les deux agadots, mais laquelle on a mis en premier, avadimayinu, et après mitechila. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la fête, elle est quoi Elle est quoi Elle est pas elle n'est pas léoumite, elle n'est pas non plus datite, elle n'est pas non plus datite léoumite, elle est léoumite datite. La fête, elle est, reli elle est nationale religieuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, hein Non, pas chacun, il va trouver ce qu'il veut, il pioche ce qu'il veut. Non, tu ne peux pas piocher ce que tu veux, il te faut les deux. C'est-à-dire Israël, il a compris qu'il faut les deux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut les deux eh C'est ce que je vous ai dans la source numéro 8. Dans la source numéro 8, le Rav Shaki, il explique Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut les deux il dit parce qu'en fait, c'est une seule et même chose. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu si tu es serviteur de Achashverosh comme on a dit à Pourim. De la même façon, tu ne peux pas être kirvanoua amakom la avodato tant que tu es serviteur de Pharaon. Donc, il ne peut pas y avoir de libération, appelle ça spirituel comme tu voulais. Il ne peut pas y avoir de libération tauranique. Tant qu'on est en Égypte. Pourquoi il ne peut pas y avoir Imaginons un cas, pas du domaine de la Torah. Imaginons que j'ai fait fortune, euh, je ne sais pas moi, euh, dans les télécommunications et j'habite en France. Mais je suis amoureux d'Israël. Je suis un suprationniste de là-bas, hein, mais, mais suprationniste. Et j'ai envie de donner tout mon argent, chaque mois, tout mon salaire, j'ai envie de l'envoyer au KKL. Je suis un suprationniste de fou. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas parce qu'une grande partie de mon argent, surtout si je suis riche, part aux impôts. Donc, que je le veuille ou pas, une grande partie de mon salaire va partir à la France, même si je suis à fond amoureux d'Israël. Eh bien, ce qui est vrai au niveau des impôts est vrai au niveau de la spiritualité. La Torah nous dit dans la parasha de Va'etranan va, que si on fait n'importe quoi, on va partir en exil. Et là-bas, on nous dit Ve'avatem sham. Vous servirez là-bas des dieux de pierre, et de, de bois et de pierre, qui n'écoutent pas, qui ne voient rien, machin. Rashi, il dit, maze sham, va tem sham, efoze sham. Il dit, Barou qu'on parle de l'exil, mais il dit, efo, Bagalout, efo, efo à Paris, efo. Il dit, ben mitor batem midrashot ou cest à des mecs religieux. On ne parle pas des mecs assimilés qui sont convertis. Hein? Non! Des mecs religieux à la synagogue qui prie qui. Quand je qu'ils le veuillent ou pas, ils servent Eloé et des dieux de bois et de pierre. C'est qui ces dieux de bois et de pierre dit Rabbi a lévi dans le Sefer Ecosarim à que les Eloé et Even, c'est la croix et la grande pierre noire à la Mecque. Puisque 99% des Juifs ont été exilés dans des terres de l'Église ou dans les terres de l'islam. Eh bien, ça veut dire que même quand tu es religieux là-bas, ton rapport à Dieu, il passe d'abord par shalom Jésus ou shalom Mahomet. Que tu le veuilles ou pas, tu ne veux pas, mais Zémaïesh, quand tu es en Égypte, que tu le veuilles ou pas, tu sers Apis et Osiris. Zémaïesh, même si toi tu pries Dieu, ils sont là-haut, ils font barrage avant que ta prière elle arrive chez Dieu, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. En d'autres termes, il ne peut pas y avoir... Non, je vous vois au chien de la tête. Vous n'êtes pas d'accord Dites-moi. Non, mais on a le droit de, de ne pas être d'accord. Bah, Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Torah. La Torah, elle dit... Et Rashi, il te dit... C'est-à-dire, barour qu'on ne parle pas que j'ai mis une croix autour de mon cou. Il y en a qui font ça, mais ce n'est pas d'eux qu'on parle. Bien sûr que ce n'est pas d'eux qu'on parle. On parle de celui qui est encore Oved Hachem. Enfin, du moins, il aimerait, mais il peut pas. Pourquoi Parce que l'ambiance dans laquelle il est, ben, ce n'est pas celle d'Akadosh Baruch C'est pour ça que le Talmud, dans Maseret Pesachim, euh, non, Maseret Avodazara Dafret Lecha, elle dit que Israël, chez Bechoutz Avodazara Betahara hem. C'est-à-dire qu'on est idolâtre, mais pur. On n'est pas vraiment idolâtre. Mais, on vit dans une réalité d'idolâtrie. Et qu'on le veuille ou pas. C'est ce qui amènera le Talmud dans le traité de Ketubot, à la page 110, de dire que tout celui qui habite en Choutzlaretz, il ressemble à un idolâtre. C'est-à-dire qu'il est idolâtre, ma mâche, Mais il ressemble parce qu'il est là-bas. En d'autres termes, mon rapport à Dieu ne peut pas être véritable si celui qui me dit comment je dois me lever, comment je dois me coucher, c'est Pharaon. Et donc, tant qu'il n'y a pas de libération concrète, physique, nationale du peuple juif, de joug de Pharaon, eh bien il ne peut pas y avoir non plus de libération de Torah. D'un autre côté, on ne peut pas se satisfaire uniquement de la libération du joug de Pharaon, donc on a mis les deux à Gadot. Je vous rappelle que quand on est sorti d'Égypte, on était à 600 000 hommes, on était à peu près 3 millions de personnes, on était 3 millions d'idolâtres, et là, pour le coup, des vrais. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, on est tous, Ovedé à Vodazara, la méadrine. Dans, dans la liste des dieux qu'on sert, on sert aussi Youtkevakhe. Mais tous les autres aussi. Il suffit de lire le livre de Yerjeskel au chapitre 20. Et Yerjeskel nous rappelle qu'on était tombé dans toutes les perversions idolâtres de l'Égypte. Ah complètement. Donc tu fêtes à Pessar la sortie de 600 000 idolâtres d'Égypte. Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah Bien plus tard. Chavot. Donc ça veut bien dire qu'il y a d'abord la dimension de résurrection nationale avant la résurrection toranique. Mais pour bien comprendre qu'il nous faut les deux, eh bien l'homme Israël il a mis les deux agadotes ensemble. Ça dire, Atkan Il y a fait Mais ça c'est bien en fait de me rappeler ce qui est bien. J'aurais pu me contenter de dire bah, qu'est-ce qui est bien dans cette histoire, c'est que je suis plus esclave de Pharaon et donc je peux recevoir la Torah. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de rappeler aussi Là où tout n'était pas bien. Vous allez me dire parce que sinon le CDR, il sera trop court. Mmh. Mmh. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de rappeler ce qui n'était pas bien? La la bignout. Et là on arrive dans notre toda. Parce que lorsque tu as une épreuve et le gnout c'est évidemment une épreuve, c'était pas bien ce qui nous arrivait. Eh bien tant que tu vis dans l'épreuve, essaye de mettre un pansement. C'est-à-dire, quand quelqu'un souffre, ce n'est pas le moment de lui expliquer pourquoi il souffre. C'est le moment de lui donner un doliprane. Une fois qu'il ne souffre plus, on peut commencer à discuter de quels ont été les bienfaits de cette souffrance. C'est-à-dire, tu vois un gosse qui grimpe à l'arbre et tu lui dis, ne grimpe pas, tu vas tomber, ça glisse, il n'a plus. Et lui, il s'en fiche. Il monte à l'arbre, il glisse, parce qu'il a plu, il s'est mouillé, et il tombe, il se déboîte l'épaule. Et il est là par terre à hurler de douleur. Toute ressemblance avec un cas que vous aurez pu connaître dans vos familles est purement fortuite, involontaire. Mais là, il crie, ah Et imagine le père qui est là et dit Ah, t'as mal, hein Bon, alors je vais t'expliquer. Je t'avais dit qu'il fallait pas, parce que tu comprends, quand l'arbre il est mouillé, ben, ça glisse. Mais le gosse il est en train de hurler. Non, là à ce moment-là, d'abord tu lui reboites l'épaule, après tu peux t'asseoir avec lui et lui dire Écoute, maintenant tu as compris. Donc peut-être que ça t'a servi de leçon. Peut-être que tu as compris que quand il pleut, on ne monte pas aux arbres. Mais ce n'est pas pendant qu'il a mal. Donc c'est barour pour tout le monde, j'espère, que quand la personne elle, est dans sa souffrance, n'essayez pas de venir lui donner des explications. Oui, mais c'est bien, il faut dire merci à Kadosh Baruchou des épreuves. Chaum d'Avar. Quand la personne elle, souffre, tu la laisses tranquille. Tu lui proposes un Dolibran. Agav, c'est la Quand tu viens chez un Havel, tu n'as pas le droit de commencer à lui parler tant que lui t'a pas parlé. Qu'est-ce que tu vas lui dire sinon? Non, attends que lui il parle et ensuite tu enchaînes dans ce que, as, ce que lui il a envie de parler. Mais quand tu souffres plus, que tes es 3000 ans après, ben, on peut s'attacher un petit peu et réfléchir un petit peu sur quels ont été les bienfaits de ce qui s'est passé là-bas. On aurait préféré s'en passer, mais si déjà il y a eu, quels ont été les bienfaits Eh bien, c'est ce que va faire le Rav Kouk. Dans l'Atreya, dans son commentaire de la Haggadah, il va dire la source suivante. Sa source numéro 9, je vous la dis directement en français. Il dit comme ça Il y a donc deux gnouts. Parce qu'il y a deux histoires, Avadi et Mitechila De Zara. Et eh bien ces deux dimensions-là nous ont fait apprendre, intégrer, acquérir au plus profond de nous deux valeurs, deux dimensions fondamentales pour notre rapport à Dieu véritable. La première, c'est la dimension de Avadi Qu'est-ce que ça nous a appris d'être esclave eh Ça nous a appris la mida de Achna'a, de soumission de ne te la pète pas trop. Alors, c'est sûr qu'être soumis à Pharaon, c'est pas bien. Mais le fait d'être soumis à Pharaon nous a appris à être soumis. Et quand on a pu se soumettre à Kadosh Baruchun, ben on avait besoin de cette qualité-là. C'est vrai, pendant malheureusement 210 ans, on a été soumis à des trucs pas bien. Mais on a appris à être soumis. Et donc on a pu, une fois qu'on était libre, décider de se soumettre à Kadosh Baruchun. Ce qu'on va appeler dans le langage de la chassidoute, bitoul. Mais ça, pour ça, il fallait savoir le faire. Qui nous a appris à le faire Les Égyptiens, malheureusement. De la même façon, la Vodazara nous a appris quelque chose de fondamental. Quelle est le, euh, la force, tu veux, motrice quand tu fais de l'idolâtrie Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'idolâtrie euh, récemment. Mais quand tu lis un petit peu les histoires mythologiques, tu te rends compte que ce qui joue des heures sup, c'est quoi C'est l'imaginaire. C'est Adimion, c'est quoi Adimion. Parce que le corps à Sechel, il n'accepte pas la mythologie. Ça marche pas à Sechel. C'est ce que dira Platon d'ailleurs. Il dit qu'il ne comprend pas ses ancêtres. Il y a un problème. Alors il dit soit ils étaient débiles profonds, soit ils ont parlé par paraboles trop profondes et on ne les comprend pas. Mais c'est pas là-dedans que ça se passe. C'est un truc d'imioni. L'imaginaire. Cet imaginaire-là est fondamental pour pouvoir la voix d'Hachem. On comprend pas ça, nous, parce que nous, on vit depuis maintenant, malheureusement, 2000 ans sans Bet Amigdash, et donc on vit depuis 2000 ans un judaïsme intellectuel. Et oui, nous n'avons plus d'expérience de rencontre avec le Créateur. On pouvait avoir, quand on arrivait au Bet Amigdash, pendant les fêtes de pèlerinage, où on voyait à Kadash Hu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a une mitzvah, mitzvah reiya l'irot et penehem, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais eux, ils le vivaient. Moi, depuis le temps, j'étudie. Et étudier ça se passe là. C'est très important. Mais ça ne suffit pas pour avoir une vraie relation à Dieu. Pour avoir une vraie relation à Dieu, il faut ce coach adimion. dit donc dès que tant la soumission a été très importante pour nous soumettre à Dieu, que le coach adimion, cet imaginaire qu'on a développé dans l'idolâtrie, malheureusement, pour que finalement on le mette au service d'Akadash Bah oui, parce que <laughs> tu veux servir Dieu, mais il ressemble à quoi à Dieu bah, Tu sais pas. ta mienne. OK les amis, c'est de cela qu'on parle. Être capable de voir la tova dans le mal. Je répète, ce n'est pas au moment où tu souffres. Ce n'est pas possible. Ou alors, tu es Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il arrive à voir ça quand il est fait torturer. Mais la Torah ne nous demande pas à nous d'être Rabbi Akiva. Donc, si on n'est pas Rabbi Akiva, on peut attendre d'arrêter de souffrir. Mais ce travail est important également. D'être capable, a posteriori, de se dire, « Aval, zé, zé, holzot ». Mais ces qualités-là qu'on a découvertes dans la difficulté, on a dit la soumission, le dimion, c'est des qualités qui ont imprégné qui ben, Le peuple juif. On est tous d'accord là-dessus. Ce peuple juif, où est-ce qu'on le retrouve à Pessah Eh ben cette dimension du peuple juif, on va le retrouver, vous le savez, vous l'avez déjà enseigné à vos enfants, aux petits-enfants c'est ce qu'on dit partout, que les fameux quatre enfants, c'est tout le peuple juif. Achacham, Atam, Racha, Sheinod, Alishol. c'est toutes les possibilités du juif. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a combien d'enfants le soir du Seder Cinq, évidemment, parce que le Marat nous a enseigné que quand il y a quatre, il y a cinq. C'est quand tu prends quatre points dans le plan et que tu les relis les uns avec les autres, tu vas dévoiler un cinquième point. C'est qui ce cinquième enfant Vous le connaissez. C'est celui. Qui n'est pas au CEDER. Il n'est pas là parce qu'il est déjà marié avec Goya. Les amis, de quoi on est en train de parler De tout le peuple juif, on a dit. Mais on a dit que ça, on la retrouve dans la Haggadah numéro 1 et la Hagada numéro 2. Puisque les deux dimensions, que ce soit Avadim Haynu ou Metechila, ça doit parler à tout le monde. Pour la Hagada de Avadim j'ai je n'ai pas de problème de retrouver tout le monde. Parce que je sais qu'en Égypte, il y avait tout le monde. Mais la question de Mitechila, Ovde Avodazara, Ayou Alors ils sont où, c'est tout le monde à ce moment-là Mais les amis, regardez. Alors, reprenez deux secondes la source numéro 7 et prenez... Euh, après la, la première parenthèse. Vous avez la parenthèse Ouais. Alors ah, on dit comme ça. Mitechila, Ovde Avodazara, ayu Avotenu. V'Arshav, Kirvanu Amakom la Avodato. OK Shenemar, d'où est-ce qu'on apprend cela? Va Yomer Yehoshua el Kol Ham. C'est ce que Yoshua va dire à tout le peuple juif quand il va rentrer en Israël. Vous arrêtez de tousser là. Non? non, ça va, je rigole. Va Yomer Yehoshua el Kol Ham. Quoi a dit Hashem? Eloïsrael. Be'eranar Yeshua avotchem meolam. C'est qui avotchem? Vous savez ce qui est marqué? Terach. Et eh oui, on a dit idolâtre, c'est Terach. Et là, on fait une liste de personnages. Terach, Avi. Aviki. Abraham. Abraham. Ve avi qui Avram, veravi, Nachor. Il n'en manque pas un Un troisième, Aran, mais il est mort. Il a été tué très jeune, donc. Avré Avram, Ve avi Nachor. ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך איתו בכל ארץ כנען, וארבע את זרעו, ואתן לו את יצחק. ואתן ליצחק את יעקב, תדעו, ועשיו. אנחנו נעקר מיאן פרסונג'? אברהם, נחור, יצחק, יעקב, ועשיו. Ce sont les cinq, c'est Amisrel. Ze Amisrel Shel Mitechila. On va voir, le dans la liste, le cinquième c'est Esav. C'est-à-dire qu'on a dit c'est Abraham, c'est Nachor, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est Esav. Ça, c'est que là l'Israël dans ses débuts. Oui, oui, même Esav. Je rappelle que le père de Esav c'est Yitzhak, le grand-père de Esav c'est Abraham. C'est un Mais attendez, cinq enfants donc on a dit et là, je viens de vous balancer cinq noms. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Qui est qui Eh oui, qui est qui ben, les amis, c'est très facile. Qui est le chacham C'est qui le chacham Afraham, non. Le chacham, c'est Yitzhak. Eh oui, chacham, ça veut dire qu'il a acquis de la... la chochma. Et qu'est-ce que dit la Gemara dans la source numéro 10 La Gemara nous dit dans Baba Batra. Amar Abizaira, Shmamina Avira Deret Israel, Markim. Qu'est-ce qui rend sage C'est l'air Deret Israël. Qui n'est jamais parti Deret Israel? C'est Yitzhak. Donc Yitzhak, c'est le Chacham par excellence. Mizah oh, Racha. Bon, il est facile celui-là. C'est Essav. Rashi nous dira dans la source numéro 11 que même dans le ventre de sa mère, il voulait courir pour faire la vodazara. Non, Racha. Mizatam. Facile. Là aussi, facile. Yaakov. Yaakov, on a inversé. Yaakov ishtam Yosef voalim. Bon c'est clair. Mize sheino yodea lishol. Mize sheino yodea lishol. Qu'est-ce que ça veut dire sheino yodea lishol? On dit en français qu'il s'est pas posé de questions. Genre, il est débile. Yodea la date, la c'est ne faire qu'un avec la chose. Sheulo lo yodea lishol, ça veut pas dire qu'il est débile. Ça veut dire que oulo hashelah bichlal. Il n'est pas dans la question, Bichlal. C'est qui C'est Abraham. Dans la source numéro 13, vous avez le Midrash Tanchouma qui nous raconte comment Abraham, au moment de la Kedah, il dit à Dieu, « J'aurais pu te poser toutes les questions du monde, et je ne l'ai pas fait. »« Ani lo Quand c'est toi qui demandes, « Ani lo Donc lequel il nous reste Le cinquième enfant. On a dit, c'est qui le cinquième enfant Non, ça on a dit c'est le rachat. Mais c'est qui le cinquième enfant des quatre enfants, qui en sont cinq on a dit, c'est quoi le... le c'est celui qui n'est pas là. Celui qui n'est plus là, qui n'est déjà pas autour de la table du Seder. Malheureusement, peut-être que dans nos familles, à nous, ici, on a des gens comme ça, qu'on sait être de la famille, qu'on sait être juif, mais qu'on sait qu'ils ne sont pas autour d'une table du Seder le soir de Bessar. Et c'est qui ce cinquième ben, C'est Nachor. Parce que Nachor, il a décidé, dans la source numéro 14, de partir à Haran. Nachor, il ne suit pas la lignée d'Abraham. C'est son frère. Mais il ne vient pas avec lui. Mais même lui, il fait partie du clan d'Israël. Même lui, même celui qui est loin, qui est marié avec une Goya, il reste de chez nous. Qui c'est qui est pu de chez nous Celui qui est marié avec. Non, Esav, il est de chez nous. Esav, il est de chez nous. Papi, papi de Esav, c'est Abraham. Papa de Esav, c'est Yitzhak. Il faut bien se rendre compte de cela. Naron, il est parti un petit peu en freestyle, mais il peut revenir. À Val, il y en a un qui est plus de chez nous. Il y en a un qui est plus de chez nous. Ce mec qui est parti et qui n'est pas à la table du Sever parce qu'il est mort avec une Goya, il est juif, lui. Qui ne l'est plus Vous vous rappelez ce qu'on a dit au tout début quand on, avait, on, a, on a étudié la Mishnah La Mishnah nous a dit qu'il faut dire Et c'est quoi la partie longue de la Haggadah Dans la source numéro 7, je vous l'ai mis. La deuxième parenthèse. Où il y a marqué

Parce que quand tu veux tuer les juifs, les juifs ils se rassemblent, les juifs ils font un, 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 un truc ensemble et tout d'un coup il n'y a plus de, plus de dissension dans le peuple juif, on fait front commun contre l'antisémitisme et puis on va à l'ONU et puis on, on fait le dîner du cri et puis hey oh, tu sais pas que ça marche pas de vouloir tuer les juifs. Lavanne, il a une technique beaucoup mieux. C'est quoi la technique de Lavanne la C'est pas de tuer les juifs, c'est de les faire se sentir très bien mais chez lui. Chez lui, la vanne, il y a dit à Yaakov, reste là un peu. Encore sept ans, encore sept ans, encore six ans, y'a là. Mais la vanne, son père, c'est qui C'est Bethuel. Et la vanne, son grand-père, c'est qui C'est Nachor. On a dit, il y a Abraham et il y a Nachor. Abraham, on est descendu jusqu'à ses petits-enfants. Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav. Nachor, on n'est pas descendu jusqu'à la vanne. Vous savez pourquoi on n'est pas descendu jusqu'à la vanne La vanne, Généalogiquement parlant, il est juif, c'est un hébreu. Aval, comment la Torah l'appelle Lavana Arami. Lavan. Tse ulmad mabikesh lavana Arami. Pourquoi on dit Tse ulmad Normalement, dans le Talmud, on dit tashma. Tashma ça veut dire botishma. Eh oui, si je veux t'apprendre quelque chose, je te dis viens. Là, on te dit sors. Vas-y, sors. Oui, là, t'es marrant, vous êtes tous autour de la table du CDR. Non, non, ouvre la porte un peu et sors. Va voir ce qui se passe dehors. Va voir les 40% d'assimilation, 60% d'assimilation, 70% d'assimilation à New York. Va voir. Sors et va voir ce que la vanne, il a fait. et C'est pour ça que le Zohar, on dit dans la source numéro 15, regardez ce que nous dit le Zohar Hadash. Vous savez ce que ça veut dire le mot l'Avane Ça veut dire quoi l'Avane Blanc. Oui, mais non. On dit le Zohar.

Mitechila of a un rapport avec Abraham. Tu peux me dire, Abraham, il y a un rapport, parce que Dieu il lui a promis à lui qu'on serait en Égypte. Avadimahino, en un rapport direct avec la sortie d'Égypte. Aramio rien à voir avec la sortie d'Égypte. Nachon, mais ça a tout à voir. Je vous ai demandé, on remercie Akadosh pour pourquoi, à Pesach Vous m'avez dit, on le remercie pour nous avoir sortis d'Égypte. Non. Barour, qu'on le remercie pour nous avoir sortis d'Égypte. Mais ce n'est pas le, ça le vrai Toda. Le vrai Toda, il y a une question qui se pose, comment ça se fait que Kadosh Hu nous a amené la Alors, On ne mérite pas. Eh oui, on ne mérite pas. Le Talmud nous dit, ça va être Sanhedrin. La Geoula, elle peut arriver soit dans une génération qui est Kulo Zakai, ou alors Kulo Chayav. C'est-à-dire, soit dans une génération où on est tous des Tzadikim de la folie, soit une génération où on est tous un peu pourris. Et le Gandavina, il a été posé la Il a dit, ça sera dans une génération où on est tous un peu pourris. Kulo Chayav. Alors pourquoi il nous emmène la Geoula si on est Kulo Chayav vous Rabbi Chaim Benatar, Akadosh. C'est quoi le srout des B'nai Israël à la Géoula Puisqu'ils ont rejeté toutes les mitzvot. Et effectivement, la génération qui a reçu la geoula, la génération qui a créé l'État d'Israël, elle a rejeté les mitzvot. Il y avait des religions aussi. Mais de manière générale, la génération a rejeté les mitzvot. Mais alors, quel est leur mérite pour recevoir la geoula Hein ah tu dis d'être venu en Israël d'être venu en Israël mais ils ne sont pas venus parce que c'était marqué dans la Torah qu'il fallait venir et l'Ama, il me dit le Rakhay le mérite tu veux savoir quel est le mérite t'as pas honte de poser la question le mérite c'est que après 1500 ans d'exil le Rakhay c'est il, il y a quelques années déjà il dit après 1500, 1600 ans d'exil il y a encore des juifs à Géoulé ils auraient dû s'assimiler depuis tellement longtemps mais ils sont toujours juifs je m'en fiche qu'ils fassent Shabbat ou qu'ils ne fassent pas Shabbat. Ils sont, ils sont juifs. Il y a encore des juifs à sauver, mais c'est le plus grand des mérites. Qu'est-ce qu'on dit merci le sort du Seder, après 210 ans d'esclavage Pas qu'il nous a amené à la sortie d'Égypte. Mais qu'il y ait des juifs à sortir d'Égypte. Qu'il y a un Israël à sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on doit dire merci à Kadosh Borou Pendant 2000 ans d'exil, on est parti en exil. La, la nature des choses aurait voulu qu'on ne soit plus là. Que, pas qu'on soit mort. Mais qu'on soit plus des juifs, terminé Qu'on soit des lavanes Qu'on soit l'aubaine Et pour dire merci, eh ben, il faut comprendre quelle est l'essence de la fête. On a compris maintenant, l'essence de la fête, c'est tourner autour de qui Qui est la centralité de la fête Qui est les héros de la fête Moi, je vais demander ça aux gens qui seront avec moi au CDR cette année c'est qui les héros de l'histoire Ben voilà on a l'habitude de dire c'est Moshe, c'est Aaron, c'est Myriam. Les héros de l'histoire, c'est les enfants juifs. Tant dans leur génération que dans la nôtre. Et c'est pour ça qu'on a une histoire de pommes. J'ai commencé le cours en disant on commence par le gnout et on termine par la pomme. Et j'ai dit que le charoset, il fallait y mettre de la pomme. Et j'ai dit que le charoset, c'était bon alors que c'est censé être un truc pas bon. Et les amis, depuis 2000 ans, on dit à nos enfants que le charoset, c'est un souvenir des mortiers. Et que le mortier, ce pas bien. Et pourtant, on fait ça, le charosset, on le fait bon. Quel problème De dire que c'est en souvenir du mortier, c'est un avis de la, du Talmud. Et c'est l'avis qu'on n'a pas gardé. Regardez la source numéro 17. Je saute la 16, on n'a pas le temps. Regardez la source numéro 17. Regardez juste les deux derniers mots pour l'instant. Il y a un avis de Rabbi Yochanan qui dit que c'est quoi le charosset Zecher latit. En souvenir du mortier. Donc, si on devait suivre la vie de Rabbi Yochanan, on devrait le faire pas bon. Mais on ne suit pas la vie de Rabbi Yochanan. On suit l'autre avis, le premier avis qui est amené dans le Talmud, à savoir la vie de Rabbi Levi. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Levi Regardez. Rabbi Lazare, Rabbi Tzadok, Mitzvah, Mitzvah, Rabbi Levi, la En souvenir de la pomme, tu fais du chaoset. Mais de quelle pomme on parle ah bah de quelle pomme on parle Ça vous est déjà arrivé d'avoir faim enfin, Alors euh, j'ai faim. C'est déjà arrivé Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir faim et de passer, je sais pas, c'est quoi ton plat préféré Bah ouais pourquoi pas bah, Allez, un plat que t'aimes bien. Une keila, une bonne keila. Allez. Ça t'est déjà arrivé d'avoir faim juste avant de manger la pkeila Bah oui on mange après la après la tzila, après la, la sina, ça, ça dure des heures. En plus, le rabbin il a dit qu'il a décidé de faire un devoir Torah interminable cette semaine. En plus, c'est un Shabbat de Bar Mitzvah, donc laisse tomber. J'ai faim. Imagine-toi, tu as faim, et à ce moment-là, on te montre une photo, mais géniale, d'une keïla fantastique. Ça te fait envie Ouais, je suis d'accord avec toi, ça te fait envie. Aval, ah, dis-moi, si dans le même cas, tu as faim, et que d'un coup, tu passes et. Ouh, Qu'est-ce qui va te faire le plus envie L'image que tu as vue ou l'odeur que tu as sentie L'odeur, bah oh, ça éveille en nous beaucoup plus de choses. Aujourd'hui, la science elle va t'expliquer ça au niveau des phéromones, machin, ce que tu veux, mais l'odeur éveille beaucoup plus. Messieurs dames, c'est de ça qu'on parle. À Pessach, on a dit que la centralité de la fête, c'est les banim, c'est le peuple juif qui est les enfants qui sont là, qui sont encore des banim, qui sont pas des lavanes, qui sont Ken ben mais vous savez que les gens à Pessah, c'est-à-dire en Égypte à l'époque, ils ne voulaient plus faire d'enfants. Les béné Israël, ils ne voulaient plus faire d'enfants. Pourquoi Ils avaient peur de la xéra de Pharaon. Et quoi Et si c'est un garçon, il va mourir Je n'ai pas envie de prendre le risque. Donc ils ne faisaient plus d'enfants. Et les femmes d'Israël, qu'est-ce qu'elles faisaient Parce qu'elles, elles disaient Mais vous êtes fous, quoi Elles n'avaient pas de hémouna Alors qu'est-ce que Rachid nous dit Qu'elles se faisaient belles et qu'elle venait avec les miroirs qu'elle vont amener après au Beth Amigdash, qu'elle se faisait belle, et qu'elle venait amener le, le déjeuner à leur mari, et qu'elle me disait, regarde comme je suis jolie, et tout, machin. C'est l'image. C'est l'image dont on a parlé tout à l'heure. Et cette image, elle va éveiller certainement chez l'homme des sentiments... Mais ça ne suffit pas. On a dit, l'image, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. comme il n'y avait pas Chanel numéro 5 à l'époque, alors qu'est-ce qu'elles ont fait pour éveiller un peu plus la volonté des hommes de faire le peuple juif, eh bien, elles les ont amenés quelque part. Où est-ce qu'elles les ont amenés Dans des champs de pommiers qu'il y avait en Égypte, parce que ça donnait une bonne odeur les champs de pommiers. Et ces odeurs-là éveillaient, en plus du fait qu'elles se soient fait belles, éveillaient en eux la volonté de faire le peuple juif. Ces champs de pommiers-là, ils sont pas nés en Égypte. Ces champs de pommiers-là, c'est ceux qu'on retrouve lorsque Yitzhak dira à Esav, ⁇ Iné réach Asher asherbe Hashem", Mais c'est à L'odeur du jardin que Dieu a béni, c'est de quel jardin on parle ?⁇ Yanneden. Je ne dis pas que le fruit du etsadat c'était une pomme, non, ce n'était pas une pomme. Mais le etsadat se trouvait dans un champ de pommiers. Ce que dit le Sefer Azohar, Zdin tapuchin kadishin. En d'autres termes, les femmes d'Israël les ont amenés devant les pommes pour les éveiller à comprendre que l'idéal c'était de faire des petits juifs. La reine, les amis, la reine, lorsqu'on se retrouve dans un mariage et qu'on est face au châtan et à la kala, qui vont s'occuper à faire quoi maintenant ben, des petits juifs. On leur dit sous la choupa « sa te samar reim sa eden le chant de pommiers saints de l'Égypte, qu'on met dans le charoset. Le charoset, il est bon, parce que le charoset, il nous rappelle quelle est l'essence de cette fête. L'essence de cette fête, c'est qu'on a fait des petits juifs. C'est-à-dire, l'essence de cette fête, c'est qu'on comprend que tout tourne autour du clan Israël. Et donc, il faut que le clan d'Israël soit plus serviteur de Pharaon. Il faut que le clan d'Israël puisse s'attacher à kadosh Barucho. Mais il faut qu'il y ait surtout un clan d'Israël. S'il n'y a plus de peuple juif, ça ne sert à rien de parler de liberté, ça ne sert à rien de parler de Torah non plus. Et donc, le Charo on a décidé de ne pas suivre la vie de Rabbi Yochanan, de dire que c'est en souvenir du titre. Non, non, on met des pommes dedans. On dit que c'est Zecher la Tapuach. Parce que c'est ça la plus grande Toda de Seder. La mitzvah. La mitzvah, et je termine par là, parce que toute notre soirée, c'est sur la toda. Mais de quoi on dit le plus merci De quoi on dit le plus merci à Kadosh Moi, je, suis pas, je ne suis qu'un papa. J'espère, mes Hachem, avoir l'honneur d'être aussi un papi. Il y a peut-être ici qui sont déjà des papis ou des mamies. Il y a des gens comme ça il y, a, il y a rien de plus... De, a, enfin, je pense comme ça que je vois ma grand-mère. Il n'y a pas de moment de plus grande reconnaissance envers Akadosh Baoukhoun que Gam Bene Machir yuldu al Alberke Yosef. La plus grande valeur qu'on a donnée à Yosef, c'est qu'il a vu cinq générations de petits-fils naître sur ses genoux. Il était son mon papa, grand-père, arrière grand-père, arrière, arrière grand-père. C'est la plus grande reconnaissance à Akadosh Baoukhoun. La mitzvah de ce soir-là, puisqu'on n'a pas encore le Korban Pessah, c'est la mitzvah de Sipour. C'est cette mitzvah de Sipour, comment elle s'appelle dans la Torah Il n'y a pas marqué « Vesiparta » Mais qu'est-ce qu'il y a marqué C'est quoi la mitzvah Maman ?« Ve'igadeta lebincha » Qu'est-ce que ça veut dire Et ne me dites pas, tu raconteras. Ne me dis pas, tu raconteras. Ça veut dire quoi ?« Ve'igadeta » Pourquoi je dis ne, ne dis pas tu raconteras parce que comment on dit tu raconteras? De si Il n'y a pas moi qui veux si Il y a C'est vers Amarta. Tu diras c'est vers Amarta. Tu compteras À compter raconter. Sauf que c'est pas parce que le français il en a fait deux mots différents qu'en en hébreu c'est deux mots différents. Compter c'est raconter. Et la main. le bincha. Ça vient de l'araméen le hagid Alors, avant l'araméen, il y a un mot qui ressemble en hébreu, non C'est quoi le mot qui ressemble de le Hein Oui, agada, ça vient de là, d'accord il y a un mot, un guide. Guide, guide, guide. Vous savez ce que c'est un guide en hébreu C'est un air, un tendon. Guide à Le veigadeta, en araméen, quand on dit good asik, good achik. C'est des termes utilisés dans la Gemara pour dire oto, Ve'higadeta le bincha c'est pas seulement lui raconter C'est imchochoto Viens ici Viens Yet sur mes genoux Ve'higadeta le bincha C'est oto, Et c'est pour ça que Ve'higadeta le mi Rak le bincha Tu n'arriveras jamais à l'imshoch un autre tu sais pourquoi tu n'arriveras pas à l'imshor un autre Parce que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qu'il fait kiffer. Qu Mais ton fils, ton petit-fils, tu sais ce qu'il fait kiffer. Qu et lui, tu sauras lui parler de telle sorte que Masharta auto. Et quand un rabbin dit je vais terminer par là, c'est qu'il a encore des choses à dire. Donc je vais vraiment terminer par là. Mais vous savez qui ont été les premières à devoir l'imchor et c'est par rapport à la sortie d'Égypte mais par rapport à Mahamad d'Arsinaï, on nous dit là-bas, kotomar Tomar le Beit Yaakov, ve'Taged l'Ivnei Israël." Dieu dit à moshe, "Kot Tomar le Beit Yaakov, ve'Taged l'Ivnei Israël." Et Rashi nous dit, "Tomar le Beit Yaakov, c'est aux femmes, parce que la c'est rare, c'est hamoud Ve'Taged l'Ivnei Israël, c'est takif, et c'est pour les hommes." Moi, j'ai toujours pensé que ça voulait dire que Moshe, il devait dire aux femmes gentiment et dire aux hommes violemment. Sauf que le Rashba, il vient, et il ne nous dit pas du tout, tu n'as pas compris. Dieu, il a dit à Moshe, va parler aux femmes et elles, elles iront parler à leur mari, à leur fils, à leur papa. Quand on a pris la conscience, la pleine mesure de cela, alors on comprend que lorsqu'on va s'asseoir autour de la table du cédé, les héros de la soirée, ce sont nos enfants. Et quand on verra nos enfants poser les questions, quand on verra nos enfants. c'est quoi, même pas poser les questions, parce qu'il y en a aussi qui sont choïno et d'Alishol. Quand on verra nos enfants, tout simplement là, alors on saura dire à Kadash merci et on saura pourquoi on lui dit merci. Zé à Simcha Agdola pesach. Simcha ta que qu'envers et contre tout, et que quel que soit ton style, il y a encore un peuple juif qui s'assoit autour de la table du CD. Raxamer les Colam.